Ok les gars, donc on arrive devant le Flight Club. Donc c'est fermé, hein, ça ouvre à midi, il est 11h27. Donc on va attendre un petit peu. Bon les gars, c'est bon, on est rentré, on est à Flight Club. Voici le père. On a les easy, les slides, on a les dunk low ici. Je fais mon grand pour que vous voyez tout. C'est quand je regarde les vlogs sur YouTube, les gars ils filment la moitié et puis ils en filment. Là on a les J1 low, les J1 high. On a la Travis Scott là, Upset Jam, la Union. Il y a la Yellow Toe, on a pas mal de petits modèles là, on a les J4 ici. Alors on a la petite Mocha là, sympa. Avec la J4 ici. Donc là c'est le Flight Club de Miami. Là on a le reste des Dunk. On a la Travis Scott ici. Et ça passe. Là, on a la Union. Elle arrache sa mère. On a quand même fait du sale à un Flight Club. J'étais obligé de donner un petit tips de 50$ à chaque vendeur. C'est ça, ouais. On a fait quand même du sale. Je vous montre pas la note parce que j'ai honte de la note. Pas le ticket de caisse plutôt. Alors, première paire, on a pris la University Blue J4. Première paire. Elle est bien. Wax Mint. Deuxième paire, j'ai pris une petite Foam Runner Onyx. Donc ce sont les noirs. Bon, je la trouve sympa. Elle est easy. Troisième paire. Ça, c'est une J1 et c'est celle que je voulais par-dessus tout. Ça, c'est sûr et certain. Et je suis trop content de l'avoir. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai fait à Miami. Je pense que je vais pas passer au Flight Club de New York parce que ça va être encore la cata. Donc là, vous pouvez compter.
voir un petit peu déjà combien ça me fait. Et voilà, donc quand je suis pas en focus là, c'est bon? Ok. Donc voici ce qu'on a fait donc, à Miami. Restez connectés, on part à New York. Bon, pas maintenant, mais en tout cas dans la vidéo, ce sera tout de suite. Salut les gars, le temps à New York, ben, il fait très beau. On arrive au Flight Club de New York. Ok. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a et puis on va voir si on cope 2-3 paires. Tchuss! Bon, je peux pas utiliser ma caméra, mais ils m'ont dit que je peux utiliser mon téléphone. Donc ça revient même, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Mais je vous montre. Voilà, on est dans le classique. Super sympa. Une petite Dunk, Air Max, Vapor, Air Force One. Union off noir. Et là on arrive dans le côté easy. Elle est où la nouvelle? Ils ont même pas la nouvelle là. Ah, à Onyx. Même pas. C'est même pas celle-là. Ah, je crois qu'elle est là. Elle est là, je suis pas sûr. Ah, le slide. Putain, shuttle backboard. Audi. Obsidian. C'est là, c'est le mousse. Ah, le poteau, c'est vrai que... University Book North. Même pas. La Hangzhou, c'est ça, c'est la Hangzhou.
C'est sur les enfants. Bon, alors, vous avez vu un petit peu ce qu'il y a. Bon, on n'a pas comme grand chose pour l'instant. On n'a pas pour grand chose. J'ai réfléchi parce que les prix sont beaucoup plus élevés qu'à Miami. Ah ouais, la Lost and Found, là, c'est celle-là que je vous visais un petit peu. Elle était à 425 $. Et là, elle est à 645 $. Donc, on va là réfléchir, on regarde. Je viens d'arriver à New York de toute façon. Donc, voilà. Tchuss. Bon, au moins vous avez pu voir un petit peu. Vous avez pu voir, je vous ai montré ce qu'il y avait en ce moment, en tout cas pour l'été là, 2023. Donc, voilà. Tchuss. Ouais, pareil, hein, la même histoire. J'ai pas pu filmer avec ma caméra. Et là, ben là je suis rentré. Donc voici la J1 qu'on a. Mais il y a du choix, il y a du choix, il y a beaucoup de choix au niveau des choses là. Là on est sur les J3, J4. Je filme bien pour que vous voyez un petit peu. Là, on est à Laced Up. Laced Up, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Laced Up. De petits modèles aussi là. Et ici en fait niveau sneakers les gars, je pense que vous êtes vraiment servi. Ici on est à Sneaker City, Buy, Sell and Trade. Et je pense que c'est pareil, c'est un petit truc de revente, mais là où les paires sont un petit peu mieux entretenues. Mais c'est pas n'importe quoi en fait, c'est des paires vraiment, regardez. Il n'y a même pas le pli de marche devant. C'est vraiment des paires, c'est exigeant je pense. Et c'est pas mal, tu peux les avoir un petit peu moins cher. Bon, par contre là vous voyez pas, mais ouais, ça se voit que c'est sale là devant là. Donc, voilà. Oh, on a les Close, on a les Easy ici. Alors il était pas mal hein, ce petit magasin. Les paires comme je vous ai dit étaient dans un bon état. Et il y avait aussi à l'étage, il y avait du Cactus Jack. Donc des vêtements, des t-shirts Cactus Jack. Donc ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la marque de Travis Scott. Et ben voilà, mais après bon, un t-shirt le moins cher que j'ai vu, il était à 125 $. Le moins cher que j'ai vu, il était à 125 $, sinon c'était 155, 175 $. C'est ouf. C'est ouf. Bon, j'en ai essayé un qui était pas mal. C'est un... Il était marron avec le Cactus Jack en gros derrière en rouge. Il était vraiment beau. Mais les Cactus Jack, ils ont le col qui est très large en fait. Quand j'ai bien regardé, tous les cols étaient hyper larges. Tu vois, c'est pas un col comme ça. Là, moi j'aime bien les cols comme ça. Là, c'était bien large. Et franchement, c'était pas...
c'était pas top top quoi. Donc voilà. Bon ben les gars, c'est bon, on a cop la paire. On va aller, je vais vous montrer tout ça. Donc voici, ce sera tout. Donc pour non, même pas, qu'est-ce que je vous dis, je vais pas vous dire au revoir là, qu'est-ce que je raconte. Nous voici à l'hôtel les gars. Je vais vous montrer la paire. De toute façon, ceux qui ont déjà vu cette boîte là, ils savent déjà. Le CEO, la boîte un peu bien raturée, vous savez. Bing. La Jordan 1 Chicago Lost and Found. Stadium Good. Voici le dernier bébé, les gars. Donc, je vous laisse sur cette paire. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!